famille, je reçois Lydie Carlou-Yog et Marie-Hélène Lepriou. Bonjour, vous œuvrez au Secours catholique Ariège-Garonne. Débutons par une question d'actualité. Vous avez signé le 23 octobre dernier une convention avec GDF Suez. Objectif, lutter contre la précarité énergétique. Alors, de manière générale, qu'appelle-t-on la précarité énergétique ? Facile de vous répondre. Là, aujourd'hui, il fait beau. Mais avec l'hiver dernier et l'hiver prochain, il y a des factures d'énergie. Là, le gaz en l'occurrence, avec GDF. Que les personnes ont des difficultés à payer. Et donc les assistantes sociales font les demandes d'aide légale auprès du conseil général, etc. Et demandent un complément au secours catholique. Est-ce que beaucoup de personnes sont actuellement en précarité énergétique ? Il y a de plus en plus de gens, puisque fin mai, on a à peu près le nombre de dossiers de l'année 2012. Donc voilà. Plus de dossiers, plus du fait aussi de l'augmentation des tarifs. Et puis du coup de la vie qui n'arrange pas tout, enfin qui n'arrange pas du tout. Concrètement, que va vous permettre cette convention ? Alors, la convention nous permet déjà de connaître, d'avoir un peu un recul sur la vie de la personne pendant l'année écoulée, sur ses façons de gérer, voilà. Et puis, on peut négocier avec GDF, on négocie en direct, pour mettre par exemple en place des plans d'apurement. Donc du conseil et de l'aide à ces personnes-là qui se retrouvent face à une situation où il y a une grosse facture et forcément pas la possibilité de la payer. De manière plus générale, est-ce que votre travail social s'est intensifié ces derniers mois, voire ces dernières années avec la crise que traverse notre pays ? Alors c'est vrai que quand on a commencé à parler de la crise en 2008, on s'attendait à voir un afflux de personnes dans nos permanences et ça ne s'est pas produit tout de suite. Il y a eu vraiment une ou deux années en fait de flottement où finalement on n'a pas eu forcément plus de monde et depuis 2010, là, on a vraiment beaucoup plus de demandes et avec des profils qui se sont vraiment diversifiés. Alors justement, quel type de personnes, quel type de profils aujourd'hui ? Alors on a toujours majoritairement les familles monoparentales avec des femmes en chef de famille, mais on a de plus en plus de travailleurs, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, des personnes avec des contrats précaires, de courte durée, qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins avec les ressources que ça dégage. On a de plus en plus de retraités également. Et le phénomène assez nouveau, même si il ne représente pas une majorité de notre public, on a de plus en plus de jeunes, en fait, qui finalement, parmi les publics, sont ceux qui reçoivent le moins d'aide. Il faut attendre au moins 25 ans pour avoir le RSA. Alors, vous le savez, ici, on est à TV Sol. Est-ce que la solidarité existe encore, selon vous, dans notre pays aujourd'hui ? Je pense, oui. Enfin, moi, quand je vois l'action des bénévoles, je me dis que oui, il y a encore des personnes qui veulent s'engager, qui pensent aux autres. Dans le cadre de nos actions, on agit en partenariat avec beaucoup d'autres associations aussi sur Toulouse. Donc, alors, c'est peut-être pas le sentiment majoritaire. À l'heure actuelle, parce que c'est vrai qu'en période de crise, les gens ont peut-être plus tendance à se refermer sur eux-mêmes. Oui. Mais il y a quand même des phénomènes de solidarité qu'on continue à constater, et tant mieux pour nous, parce que c'est ça qui nous permet aussi d'avancer et de pouvoir accompagner les personnes. On le sait, beaucoup d'associations recherchent actuellement des bénévoles. Est-ce que c'est aussi votre cas ? Toujours. Comme j'aime à le dire, nous sommes une association de bénévoles. Moi, je suis salariée, mais je suis au service de l'action des bénévoles. Donc, ce sont les bénévoles comme Marie-Hélène qui font le travail. Alors justement, Marie-Hélène Lepriou, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui d'être bénévole au Secours catholique ?
Je pense que c'est un équilibre aussi personnel. Bon, c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu entre s'occuper des autres et s'occuper de soi. Donc, c'est pas toujours facile. Mais enfin, pour moi, solidarité, c'est une nécessité, quoi. C'est un moteur aussi. Vous œuvrez actuellement aussi sur l'emploi, avec notamment le chantier emploi. Ça consiste en quoi ? Alors là, on est sur l'accompagnement des personnes pour les aider à accéder à l'emploi. Alors après, on a des publics qui sont à des stades différents hein, par rapport à l'accès à l'emploi. Du coup, les actions qu'on va pouvoir proposer peuvent être vraiment très, très diversifiées. Pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, on est plutôt sur un processus de resocialisation, donc la mise en place d'ateliers, pour que ils se sentent partie prenante quand même de la société. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une place dans la société quand on a un emploi, et ceux qui sont sans emploi ont un peu l'impression qu'ils ne font plus partie de la société. Donc leur montrer qu'on peut exister autrement qu'avec forcément un travail. Et puis après, on agit aussi auprès de personnes qui sont plus ou moins proches de l'emploi, donc soit sur les freins de l'accès à l'emploi, donc la mobilité, réparation de voitures ou financer le permis pour leur permettre d'accéder à l'emploi ou de se maintenir dans l'emploi, et éventuellement tout ce qui est aide pour accéder à un logement ou accéder à des formations, des choses de ce genre. La saison hivernale approche, alors que se passe-t-il actuellement au Secours catholique Ariège-Garonne ? Qu'est-ce que vous préparez en ce moment ? Notre activité, là on a fait travailler les équipes sur leurs souhaits pour les prochaines années, et c'est vrai que ce qui est ressorti pas mal, c'était justement ce souhait de mettre en place des ateliers conviviaux en période hivernale. Au-delà de nos actions pour les personnes en errance, hein, on a toujours les petits déjeuners du canal qui vont passer 7 jours sur 7 à partir de vendredi prochain, notre maraude. On est aussi avec d'autres associations sur la halte de nuit. Mais notre objectif principal est plutôt d'essayer de lutter contre l'isolement des personnes, et donc de mettre en place autant que possible sur nos équipes des ateliers conviviaux. Ça commence à se faire, et les bénévoles sont assez surpris que ça fonctionne. Merci à vous, Lydie Carlou-Yogue, et à vous, Marie-Hélène Lepriou, d'avoir accepté l'invitation de TV Sol. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouvel entretien.